تصوير كانت هنا هي كانت متصوير كانت هلا اي والله سبول بتا يا هلا ميرسي بوكو ورا ورا شباب ورا 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 Alors, nous, on manifeste pour les Kurdes, pour prendre l'indépendance, surtout les Kurdes étaient partis du Kurdistan d'Irak. Ça fait plus que 120 ans, on a été massacrés par le régime du dictatorisme de toutes les gens qui sont voilà, contre cette population, qui y a plus que 40 millions de Kurdes qui souffrent dans sa vie. Alors nous, maintenant, on est en train de révolution, faire une petite manifestation, la paix pacifique pour l'indépendance du Kurdistan des partisans d'Irak. Quelle est la situation dans votre pays aujourd'hui? Alors la situation, moi je viens de Rojava, ça veut dire du Kurdistan de Syrie. Et la situation, c'est vraiment c'est très stratégique, surtout par rapport au régime des Syriens et un peu plus des régimes de Daesh. Est-ce que vous pensez que la situation pourrait se calmer? Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies? Alors, Nations Unies, on aimerait bien un plus fort pour les populations des Kurdes pour prendre l'indépendance. Et à mon avis, c'est pas mon avis, c'est vraiment c'est l'avis généralement du monde entier. Et les regards, là, le tour vers les populations des Kurdes, parce que où ils sont en train de faire de la paix dans les régimes, dans les régions. En fait, nous, les diaspora kurdes, en Suisse, on a créé un comité pour soutenir un projet de référendum qui va avoir lieu le 25 septembre au Kurdistan. Et nous, on est là pour soutenir ce projet et pour dire que le peuple kurde, comme d'autres peuples, ils ont le droit d'avoir d'aller vers le projet d'autodétermination. Et nous, on est là pour soutenir ça, parce que c'est une demande légitime pour le Kurde, comme les autres peuples. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies? En fait, nous, on est là pour dire que tous les démocrates, toutes les organisations internationales, tous les pays démocrates, ils doivent, c'est une obligation morale de soutenir ce projet, parce que les Kurdes, ils ont assez souffert, et puis, en plus, ils ont de mérite pour avoir un État, parce qu'ils ont montré qu'ils sont un peuple capable d'amener un plus pour la stabilité dans la région. Une question qui va peut-être vous sembler bizarre. Les Turcs, quel jeu ils jouent avec vous? En fait, la question turque, maintenant, c'est une réalité. Pour les Turcs, pour les autres voisins aussi. Les Kurdes, les Turcs, ils se sont exprimés, ils ont dit, ils ont inquiet pour cette question, pour les Kurdes, ils ne doivent pas aller vers ce référendum. Mais je pense, les Turcs aussi, ils ont compris qu'ils ont l'intérêt d'avoir un Kurdistan, un État kurde qui est un État stable, qui apporte la stabilité pour la Turquie, comme pour d'autres pays voisins. Et la situation avec les Kurdes, avec le gouvernement turc, qu'est-ce que vous pouvez discuter avec eux? En fait, moi je peux vous dire une chose, les Kurdes et les Turcs, ça fait plus d'une décennie qu'ils ont un rapport au moins économique. Ils ont établi une relation économique très forte. Il y a beaucoup d'entreprises turques au Kurdistan, et je pense au niveau politique aussi, les Turcs, ils ont compris que les Kurdes, ils peuvent amener des éléments positifs pour leur stabilité. Oui, mais d'accord, mais quand vous voyez le président turc qui essaye d'attaquer
méprisé par ses paroles les Kurdes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on arrivera un jour à la paix? Je pense que ce n'est pas parce que les Turcs ils ont voulu cette situation. Parce que les Kurdes ils ont montré qu'ils sont capables. Ils ont des éléments pour la stabilité de la région. Et les Kurdes, ça fait plus de deux décennies que les Kurdes qui sont là à côté de la Turquie. Et puis maintenant, la question kurde, ce n'est pas comme trois décennies en avant. Maintenant, les Kurdes, ce paradigme a changé. Les Kurdes ils sont des éléments de la stabilité pour la région. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à reconnaître le génocide des Kurdes? De Kurdes ou de Des Kurdes. Vous voulez dire que la Turquie ou bien la communauté internationale? Les Turcs et la communauté internationale. Je pense. Ça fait trop, les Kurdes ont souffert, il y avait trop de génocides, trop de massacres contre les Kurdes, et maintenant ça c'est une question morale pour la communauté internationale de soutenir les Kurdes, parce que les Kurdes ils ont montré qu'ils méritent d'avoir un État. Et puis on voit au Kurdistan, les Kurdes ils ont accueilli plus de 1 million et 800 000 réfugiés ou déplacés internes. Alors, si le Kurdistan n'est pas stable, nous, ici en Suisse, on est obligé d'accueillir cette population. J'ai été invité en tant qu'élu par le mouvement kurde qui soutient le référendum sur l'indépendance qui se tiendra lieu le 25 septembre en Irak. Et on vient rappeler l'importance de Genève comme ville dépositaire des conventions de Genève, comme capitale des droits humains, du lien qui lie Genève à tous les combats de par le monde pour les droits humains et pour l'indépendance des peuples. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce rapport entre la Turquie? Vous savez très bien que c'est très chaud. Est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser? Là, il s'agit d'un référendum en Irak, donc c'est pas tout à fait la situation turque. On est sur la situation irakienne. Ce qui est important, c'est de rappeler, et en tant que Suisse, on le sait, les initiatives, les référendums, le droit au peuple de se positionner, de voter pour l'avenir qu'il souhaite choisir. Je crois que l'enjeu aujourd'hui n'est pas nécessairement d'entrer dans ces enjeux-là, il est vraiment de rappeler l'importance pour le peuple kurde d'avoir ce référendum et puis d'avoir un vrai territoire, une vraie existence reconnue internationalement. Je pense qu'il est important que cette manifestation qui s'est déroulée à Genève mais aussi partout en Europe puisse exprimer la volonté irrésistible du peuple kurde d'avoir un jour son État indépendant. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies? Est-ce que
Je pense que j'attends surtout avant, c'est des Kurdes eux-mêmes, qu'ils puissent avancer dans ce processus, qu'ils puissent établir la confiance entre eux, établir la confiance avec l'ensemble des pays voisins et de cette manière s'imposer ensuite à la, au Collège des Nations. De toute façon, cette votation va avoir lieu, quel que soit le contexte actuel. C'est important, ça marque une volonté du peuple kurde. Mais il est clair qu'il faut absolument que cela se fasse à la, dans une construction de la démocratie, de l'inclusion des minorités et des bonnes relations et de solidarité avec l'ensemble de la communauté kurde dans les pays voisins. Ce référendum aboutira, il n'y a aucun souci. La question, c'est le processus politique après le référendum. Et là, il s'agit en fait de faire porter ce processus et cette décision par l'ensemble de la communauté kurde et par l'ensemble des nations, dans le respect des relations internationales, dans le respect de la solidarité, dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Oui, j'y crois, mais je sais aussi que le chemin est encore long. C'est ce que j'ai dit dans mon discours. C'est un chemin plein d'embûches, mais les socialistes sont à côté de vous pour essayer de les affronter. Et s'engager pour que ces droits soient respectés. Wahabiji